Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 15e épisode en Let's Play sur Dragon Quest Treasures. Dans l'épisode précédent, on est parti à la dorsale de feu. On a ramené Anatole qui est un fabricant de billes, donc on va aller voir ce qu'il fabrique. Alors, il y a eu plusieurs fois des trucs, attention, un clan vous attaque, mais je sais pas trop comment ça se passe. Je pense que c'est quand on ne bouge pas d'une zone, mais je ne sais pas trop. Le béaba des billes. Apportez les matériaux adéquats à Anatole pour qu'il vous confectionne de puissants projectiles. Utilisez-les pour soigner vos alliés ou infliger des dégâts dévastateurs aux ennemis. Vous pouvez améliorer l'arsenal d'Anatole en lui apportant des formules trouvées dans des coffres, au trésor ou dans des magasins. Les meilleures formules requièrent les matériaux les plus rares. Ouais, j'ai toujours un peu de mal avec les billes, donc... C'est pas ce que j'utilise le plus, je suis plutôt corps à corps, mais... Bille charmeur, ok. C'est 500 pièces la bille. Ça fait cher quand même. Anything else? Bon, les quêtes quotidiennes, c'est les mêmes que l'épisode précédent parce que j'enregistre dans la foulée. Quête du chemin de fer. Carte au trésor. Quête d'étendard. Ok. On va retourner. Je sais pas s'il faut que j'aille à la dorsale de feu ou pas. Bon, on va retourner à la dorsale de feu. Where are you going treasure hunting today? Viande suspendue, dorsale de feu. Colohari. 66% de chance. Quête. Quête principale. Faites grandir le clan, explorer la corne du géant. Alors maintenant, on retourne à la dorsale de feu pour la quête la corne du géant. Where are you going treasure hunting today? Alors peut-être qu'on pourra pas, hein, peut-être parce qu'on sera un peu trop faible, etc. Mais... En tout cas, on va essayer de débloquer les gares pour avancer un peu. Mais si jamais vous avez des astuces aussi pour battre les gluants de métal, parce qu'on en croise quand même pas mal, mais on n'arrive pas à les tuer. Alors regardons un petit peu la carte. Parce que donc là, il y a la carte au trésor qui est par là. Là, il y a une gare.
On peut peut-être tenter par là. Ou sinon, après, il y a le chemin par là qui amène à une autre gare. Je sais pas trop. C'est toujours les mêmes soucis là-dedans. Par où aller, que faire? Bon, le trésor maintenant, celui-là, je crois qu'on connaît à peu près. Hein. Oh, un trésor. Quelle surprise. Que je regarde là-bas, il y a une espèce de grotte comme quand on a trouvé le. Même là, il y a des grottes un peu partout en dessous. On va faire le tour. Il fuit, il a peur. Je crois que j'ai eu exactement le même trésor juste avant. Quelle chance, un portail menant à un donjon plein de trésors est apparu. De temps à autre, vous trouverez un téléportail qui vous conduira directement dans un nid de monstres. Ces endroits grouillent d'ennemis redoutables et de créatures malfaisantes. Alors préparez-vous avant de vous y aventurer. Si vous franchissez ce portail, vous ne pourrez pas revenir avant un moment. Voulez-vous continuer? Non, pas tout de suite du moins. Faisons une sauvegarde. Et il y avait un trésor dans le coin aussi. Ah, ça va être en dessous probablement.
quoique. En dessous, il n'y a plus trop de. Plus trop de chemin. Bon, allez, on va tenter. Alors, je sais pas si j'aurai le niveau ou pas, mais au moins, on va essayer. Déjà, le fait que ce soit pas protégé par des monstres. Parce que dans. Sur l'île du Cabochon, j'avais trouvé la zone, mais je suis mort en fait. Je vous l'avais dit dans le 13e épisode. J'avais commencé l'enregistrement et j'étais mort, bah j'avais trouvé ce truc là. Ah oui, d'accord. Let's speak to that monster later. Hop hop hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, avec l'usine, ça va. This will make you feel better. I'm full of surprises. Ouais, je m'attendais pas que le monstre soit déjà niveau 20 pour le départ. Oh mince. Forcément j'ai toujours pas les. J'ai toujours pas les bonnes billes. Mince. I'm full of surprises. J'ai pas utilisé mon truc. Je me fatigue. J'utilise souvent le vampivol parce que je trouve que son attaque fait pas mal de dégâts. Là, il a pas fait grand chose mais... Thank you.
désolé golem, mais on va te battre parce que c'est comme ça. Moi je résiste, je résiste. Aïe, aïe. Vous avez vaincu le golem. On a un trésor et je ne sais pas quoi. Un médaillon. Trésor inestimé. Trésor mystérieux dont le type et l'état restent à déterminer. Faites-le estimer pour connaître sa valeur. Bon, ok, on a réussi la carte au trésor. Bon, on a eu un peu de mal quand même, hein. Mais on a réussi. Alors, que... Ah, merci. Regardons la carte. Parce que la gare, elle est loin, quand même. En fait, je me dis, là, la gare, elle est pas très loin. Mais je me dis, j'aimerais bien aller au moins jusqu'à la gare pour revenir après au plateau. Donc, je pense qu'on va faire ça. Mal ça. It's gotta be worth a fortune. I like to sweep. Faudrait qu'on trouve un feu de camp aussi pour se soigner. Le fouet, je crois que je l'ai déjà. Après, j'ai peur qu'il y ait un clan qui m'attaque. C'est toujours le souci là-dedans. Ouais. Bon, on va le laisser, il reste qu'une place pour un coffre. Donc nous on va suivre le chemin de la gare. Ah, c'est au-dessus. Looks valuable. We're being targeted. You can do it. Super.
Nathan, Sasha. Un clan est à notre housse. En plus, on a le truc qui est plein de trésors. J'ai pas envie de les perdre. Là, on va se reposer un petit peu. Il s'agit d'un chef de gare, la machine faisant office de chef de gare. La gare a connu des jours meilleurs, mais en apportant les bons matériaux au chef de gare, il devrait être possible de la remettre en état. Donc, rapporter des morceaux de lave. Maintenant j'ai compris que, enfin, par rapport à la première fois, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sauvegarde. Soyons intelligents, si jamais on a un souci, au moins je pourrai recharger ma sauvegarde. Des morceaux de lave, il nous faut. Vu que c'était des espèces de cristaux. C'est moi les 6 morceaux de lave. La gare de Rouge-Lave est en service et peut être sélectionnée en tant que destination. Hop, désolé, mais nous, on s'en va. Should we get that treasure appraised? Ouais, je pensais avoir récupéré plusieurs fois les mêmes choses, mais apparemment non. Une carte de jeu. Très jolie. Une deuxième carte de jeu. Moins jolie. Un bout de caillou. Un monstre. Ouais, je pensais que j'en avais déjà un de fou. Ça, je sais pas ce que c'est. On est vraiment pas loin des 35 millions. Ah bah on a dépassé 35 millions.
up again. Bien le bonjour Mia, je vois que vous avez amassé un bon paquet de trésors, n'est-ce pas? Avant que je n'oublie, j'ai un message à part du contremaître. Comme vous le savez, il est occupé et il est fort occupé avec ses travaux de forage dans le dédale. Il dit avoir trouvé l'escalier menant plus bas. Vous devriez aller voir ça sans attendre. Mia et ses camarades se rendent dans le dédale pour voir ce que le contremaître a découvert. Hey! Il paraît que le contremaître a découvert quelque chose d'intéressant, alors je suis venu voir ce que c'était. Le contremaître a découvert des escaliers qui mènent encore plus bas. Le dédale n'a pas encore livré tous ses secrets, on dirait. Et je parie que c'est rempli de trésors, on devrait aller voir. Le niveau moins 2 du dédale est désormais accessible. On dirait que le contremaître a aussi découvert un trésor. Miaou, c'est une tablette si je m'attendais à ça. Je vais voir ce que ça dit. Partez en quête de la serre de Topaz à la lisière d'une vaste prairie, par-delà le plateau de la Peine où rôdent les guerriers puissants. Cette fois, il est question de la serre de Topaz, et je suis quasiment sûr que ça nous dit de chercher du côté des Landes suspendues. Par-delà le plateau de la Peine où rôdent les guerriers puissants, quelqu'un sait où se trouve ce plateau? Je crois que c'est dans les Landes suspendues, on devrait trouver ça sur la carte. Bon, ça a l'air faisable, mais cette histoire de guerriers puissants m'inquiète un peu. Ça a l'air dangereux, non? Tu as sûrement raison. Et si on emmenait des monstres qui nous permettront de traverser le plateau sans traîner? Bon, on a une deuxième tablette. Vous avez découvert de nouvelles informations concernant la quête en coup de vent. Non. La quête n'a pas été choisie comme objectif. Vous pouvez modifier votre objectif à tout moment depuis la section quête du menu. Le portail du niveau moins 2, on ira le voir dans le prochain épisode. C'est cool au final, enfin, même si des fois on dérive un petit peu de la quête principale, etc. On fait progresser le clan, on gagne des trésors, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, ouais, à chaque fois je suis en stress quand je vois le truc sonner. Alerte, alerte, alerte. It seems back. Home sweet home. On pourrait attendre pour les autres équipes. Parce que là, on a des nouvelles recrues potentielles. Here are the candidates. Have you decided? Have you decided? Come with the gang. Walk the talk and walk the old. Jefferson rejoint le clan. Excellent. Tac. You leave it to me.
Il y a une troupe qui est revenue. What could it be? On les renvoie là-bas. Let's see what we can find. Et on va faire une troisième équipe. Who are you sending? Ça, c'est mon équipe. Alors, attends, trésor transportable, lui, il peut en prendre combien? 3. Choisir la destination. Where do you want to go? Are you sure? Good luck. Let's see what we can find. Et voilà, on a fait des équipes, on est pas mal. Bon, le seul truc qu'on aura raté, c'est les quêtes quotidiennes, mais c'est pas très grave. Quête d'expédition, c'est ça que je voulais regarder. Hop hop hop, quête d'étendard, ça je sais toujours pas. Garde au trésor, on a trouvé. Ça, il faudra retrouver les monstres. Donc là, il nous reste deux quêtes de clan, Colohari et Lande suspendue. Faites grandir le clan. Au niveau tac tac tac, continuez à récupérer les trésors, explorer le dédale. Niveau recommandé 20, donc ça à la limite on le fera dans le prochain épisode. En coup de vent, trouver la serre de topaze. Nous on veut la corne du géant. Donc ça, ce sera le prochain épisode les amis. En tout cas le dédale je veux dire. Et après on verra pour la suite. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Dragon Quest Treasures 2. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.